Et bonjour à tous les amis, on est donc encore une fois de retour pour un magnifique épisode de Rogue Legacy. Et cette fois-ci, on va essayer de faire mieux qu'avant, on va essayer de... Comment dire... Déjà, on va essayer d'upgrader notre vie, ce serait pas mal. J'ai plus de sous, je n'ai absolument plus de sous. Vous avez remarqué qu'on monte de niveau, ça coûte de plus en plus cher. Ah mais c'est parce que je suis minuscule! Mettez-moi ça, je suis minuscule! Je suis un nain, c'est génial! Allez, on est donc parti avec un personnage absolument ridicule. Ça pourrait le faire, cela dit. Hop, récupérons un peu d'argent. Et on est donc parti pour ce 4e épisode de Rogue Legacy, évidemment. Prends-toi ça dans les dents. Ah, ça fait mal! Par contre, quand t'es minus, t'as beaucoup moins de PV, donc forcément, ça va être chaud, là. Heureusement, je trouve des coffres à sous, et ça, c'est très intéressant. Hop là, voilà, éliminé! T'inquiète pas, mon gros, t'as aucune chance. Ça, on peut pas le tuer, d'accord. Au moins, je le saurai. Voilà, il y a plein de trucs à éviter, là. On va se calmer tout de suite. Voilà, éliminé. Toi aussi, tu vas prendre cher. Apparemment, je suis minuscule, mais... Mon Dieu, ce que je leur mets. Ils ne comprennent absolument rien à ce qui leur arrive. Hop là. Ah, apparemment, là, ça va être une bonne récolte. Je joue assez bien, c'est assez rare pour être souligné. Hop là. Toi, au revoir. 260 pièces, ça fait plaisir. Avec un peu de chance, je vais vous sortir un de ces skills et vous allez absolument rien comprendre, tout comme moi. Voilà, toi on t'élimine, ça c'est fait. Oh, il y avait un passage là. Mais il sert à quoi ce passage? Bah il sert à rien. Ça a pas d'utilité quelconque. Bon bah il y avait un passage pour minuscule, mais il avait pas d'utilité. Ça sert à quoi ce truc? Chakram, c'est un spé, là-bas, écoutez, tant mieux. Bon, ils ont l'impression d'être géants, ça va, quand on est minuscule comme ça. Ça va, j'ai récupéré plein de pièces, là, on va avoir quoi faire, les amis. 470, oh mon dieu. Allez, toi, on t'élimine vite fait, bien fait. Mon dieu, mais l'argent que je vous sors, là, mais ça, c'est du PGMisme. 600, c'est... Mon dieu! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Là, je m'entends... Écoutez, tant mieux, hein, je pourrais acheter des trucs, c'est pas mal. Le mec qui part en laissant l'or, il en a tellement qu'il a même plus besoin de le ramasser. Absolument n'importe quoi. Hop, lui, on va lui foutre une petite claque, il s'en va, et on lui en met une. Voilà, tranquillement. On avance tranquille et j'ai trouvé la salle du boss, mais j'ai pas beaucoup de PV, ceci dit. Et hop là, Knight Chestplate. Ah, ça fait plaisir, par contre. Toi, on va te récupérer. Toi aussi. On va pas lâcher les trucs, hein. Je serais tenté de commencer le boss, mais j'ai pas beaucoup d'armure pour ça. Enfin, je veux dire, voilà, je suis pas encore assez équipé, je pense, pour aller le faire. Ok, il a quand même l'avantage de pouvoir sauter très haut, le Minus. Hop, ça me rend des PV, c'est génial. Ce serait bien que je récupère encore plus de PV. Ça, c'est ce qui pourrait vraiment être pas mal. Allez, du PV, s'il vous plaît! Lootez-moi du PV, lootez-moi des gigots, bordel! Je veux des gigots! Apparemment, j'en aurai pas. On va éviter d'aller par là-bas. Par contre, on va peut-être pouvoir tenter d'aller voir à quoi ressemble le boss. Ça pourrait être intéressant. Pouah, avec 27 PV, j'ai vraiment aucune chance. C'est vraiment même pas la peine d'aller lui dire bonjour, en fait. Je sais même pas à quoi ça sert, ça. Oh, ça fait horriblement mal. Wouah! Eh mais c'est horrible cette attaque! Moi j'aime bien. Hop, ici y a pas de passage pour petit, d'accord. Bon bah on va aller voir le boss les amis, je vais vous montrer le boss une bonne fois pour toutes. Sachant que je ne l'ai jamais vu.
de Cat Keeper. What the fuck? Je vais devoir battre ça? Et c'est déjà une mort, les amis. Et je vais vous laisser là, car c'était Réflexion. Ciao, bye bye.